Bisogno sono Free TV. Ah bon? Bisogno sono Free TV. Free TV Caprice. Et à Boss, Jérusalem, Motema, Margela, Margela, Manuela, Awande, Banuza ya solo. Ba papa na ba mama tokende, bota la chaîne na bisoyo. Bisogno sono Free TV. Awande ba sango ya solo. Bisogno sono Free TV. Toto belle vie, ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso, ya drobenzaou, melea. Ba nyuse ya solo, ba mama ba papa ba ya ya ye. Bisogno sono ba kongole na ba kongolese na ba ivoyen. Bisogno sono fit. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Free TV des gosses et gérissons Manuela Kitoko. Yoka propre, yoka image, yoka qualité. Bisotou. Bisogno sono Free TV. Parole de monsieur Iglina Fili. Balandi abo solo télévision bisoto lo ba clair moi na mayela banga raté pro baxi muta sika na classe zo bande ne mina e tableau muninga ne récréation na zana Zurich obligatoirement il faut présenter les civilités na ba kolomboka. Je vous invite désormais au-delà abo solo télévision de suivre aussi Free TV Caprice de Jerryson depuis Zurich na Suisse. Et puis l'émission la plus suivie est allée chez nous avec M au cube. Il faut bon yango, bo s'abonner belé, ba o ba yeba kite panzali solo na voisin. Ba yeba ke awa na Zurich, Free TV Caprice de Jerryson, ezo sala li solo surtout avec émission chez nous, ma solo na biso ndeto zo lobango, etali binote tali ga biso. Kota na kati po yeba, ndenge nini Free TV Caprice de Jerryson azo évoluer et sango nda pesi belé. Salutations à tout le monde qui est branché sur Free TV Caprice pour suivre cette émission que je dédie à ma belle Shayela de Jerryson. Salutations également à ma Shayena Mamana Kimi, Betty Albertina, la coiffeuse de Colmar, Shayela de Jerryson, la française. Chers abonnés, chers amis et connaissances, lelo na yeko bete la bino lisolo ya papa oyo awuti kotika biso ki répond au nom de Kiamwanga na Mateta alias Verkis, le patron de l'orchestre VV, patron de VV Center, bref, l'homme au poumon d'acier. Fifi la douceur Bundesliga. Adibio Yando. Mire Soumarouga Amida. Et pourquoi pas Paola de Zurich, maman à Kéliane. Ma petite sœur, y vient à Bango. Chers amis, papa Oyo Babengi Verkis n'est pas n'importe qui. Il a vécu une jeunesse merveilleuse. Koleka, ba jeune et belé à l'élo. Pourquoi j'ai dit ça? Na lignatel sa mokili. Mwandambu oyo ngayi na yebi en la personne de Papa Verkis. Papa Verkis, avant les années 70, azalaka kimbangise de confession religieuse et saxophoniste na groupe ya fanfare kimbangiste. Alors, pour des raisons personnelles, il va quitter la fanfare kimbangiste pour intégrer l'orchestre tout-puissant Ok Jazz de Papa Luambo Makiadi Loa Diopene Franco, qui malheureusement nous a aussi quitté bien des années. Que son âme repose en paix. Bandeko, chers amis, vous allez m'excuser, puisque je ne suis pas capable de pouvoir
jouer sur la chronologie afin de bien cadrer les événements et les faits. De son passage dans Ok Jazz, il s'est parfaitement défendu comme meilleur saxophoniste de l'époque. Mais il n'a choqué bien au moins. Na Congo tolingate moninga alobake likambu oyo ngande moto ya liboso na salaka yango to eloko oyo ngande moto ya liboso na somba to na zoa yango surtout na musique ele kande mwana donc moninga akoki ko vanter ba prouesse na yete eza ikila par contre yonde soko za ko se vanter ah là c'est bon mais quand c'est l'autre qui le fait ça sent mauvais. 1. Papa Verkis Azali, saxophoniste Yaliboso, a solola à travers son instrument avec le guitariste Luambo Matiadi Franco, Nyanzembo Yakous au pouvoir. Ba vie nangai ba mbiaka, ba yebi iloko na lobi. Donc, conversation mélodieuse entre Verkis na Franco. Verkis azo tout na Franco na saxo. Et Franco a répondu à la guitare. Et Zala tient la musique à Congo depuis Congo et Zala Congo. Beaucoup dans Internet, vous mettez à titre Oyo. Course au pouvoir de Ok Jazz avec Luambo Matiadi Franco. Vous comprendre. Les deux. Papa Verkis, le seul saxophoniste, a osé kobeta deux saxons à la fois, d'une seule bouche. Et ba qualifié l'homme au poumon d'acier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien, saxophoniste mon côté, à Salayango. Même Manu Dibango, ni Mpompolowai, a beta deux saxons à la fois. À la fois. Ouais. L'autre fondu is na Paris. Pigé Menga Paris London. Le grand Libanais prêtre na Katia Suisse en direct de Bienne. Ouais, mon jeune frère Christian Vemba, le garçon propre. Argovie Koyate. Rijana Chiwara, Mill Weston, big salutation. Papa Verkis va quitter l'orchestre Ok Jazz pour embrasser sa carrière solo, d'où la naissance de l'orchestre Vévé. Orchestre Vévé est salapé succès nango, malgré la présence de l'orchestre local à Ok Jazz, Afrique en fiesta nationale, Oyo et Koma Afriza, Negro succès de Bavon Marie Marie, y compris ba groupe musical Misusu Yamike Miki. Verkis, grand prêtre, il a su donner à ses musiciens les voitures et les motos de marques japonaises. Prêtre Nandenga Mukete. C'était aux environs des années 70, quand les Japonais ont inondé qui marchaient les voitures dans le Katia Congo, Zaire à l'époque. Tout le monde a des marques comme Mazda, Toyota, Daihatsu, donc voilà, Mitsubishi. Écoutez, les motos, tout le monde a Yamaha. Suzuki, Kawasaki, Honda, donc voilà. Papa Verkis Yamangana, premier patron de l'orchestre à avoir remis les engins de transport dans les musiciens. Ni Franco, ni Rochero, ni Bavo Marie Marie à l'époque, patron mon côté. Seul patron de l'orchestre, Oyo Soki Aouti Voyage. Bakoya ko yambaye de l'aéroport de Njili. Donc, cortège de musiciens en moto. Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. De voitures comme Daihatsu, Honda. Neti kaka cortège présidentiel. Neti na film. Orchestre Vevende et Pesa. Ba grand frère Nabiso. Gouya ko zala na moto. A l'époque, un jazzer. Deng to benga kalelo. Joe. Hein? Play, un sapeur. Il faut avoir une moto japonaise. Pour le stade, il y a Vespa et comment déjà démodé. Et comme habillement, les musiciens, il y a l'époque,
un vrai Joe, un vrai musicien à l'époque, parce qu'il y a un tricot qu'on appelait César, et sandales sans moins un. Donc ceux qui osent en côté, un faux Joe, donc faux gène, faux jazzer. Orchestre VV de Verkis, ils ont là bon, on a trois chanteurs talentueux, Oyo, Oyo Basimbaga attaque chant, il y a VV. Il s'agit donc de Mario Matadidi, originaire de l'Angola. Vieux Jesquin, originaire du Congo-Brazza. Et Sinatra Saxakul, originaire de Zaïre, donc Congo-Nabissau. Bangonde va bénéficier de voiture auprès de Papa Verkis. Voilà. Bigansumbu, le prophète de la sape, Jilele Emporio Mbula Kama, Dio de Colmar, Moninga Yagi et même Okasu, Trésor Trezegué de Colmar, Tolanda. Alors, départ, il y a ces trois chanteurs que je viens de citer, et ça, la décadence, il y a Orchestre VV. Et les trois chanteurs ont formé un trio nommé Majesi, d'où la naissance de l'orchestre Sosoliso. Et plein succès. De là, Papa Verkis aye comme il pèse profondément dans le business musical. Tomoni Bongo, Studio Mobile VV, producteur et distributeur de la musique, partout il y a VV Center, Nandenge pe Atikaka na ye comme ta musique. Alors, je voulais seulement qu'on épingle ma prouesse, il y a Papa Verkis, où il y a sûrement ma jeune et belé à l'élo ba yébité. Mais tout ce qu'il a fait après cette époque-là, c'est connu de tout le monde. Patron, il y a la langue, langue stars, coupé sa bagène, musicien, instrument, donc coussin sa bagène, voilà quoi. Donc bref, et là, on a un banabino, yangoana. Grand prêtre et mère, Nuela Margela, gros bisous. La grande dame de Colmar, Julia Georges, toujours Nathan. Mon vieux Caps Capita Moussiala, Argovie Koyate. Michenko Michel Kisonga, l'homme du Semiyak. Rodo Rodrigue de Zurich, toujours sapé comme jamais. Kiele Kabambi de Zurich, mon jeune frère, toujours propre. Guylaine Matumona, Miosotis de Paris, petite sœur. Salon de coiffure et Zalice Moko na Kata Zurich. Floride Asilwa. Salon Floride. Respect na papa na biso kia mwangana. Verkis Mateta, que son âme repose en paix. Voilà. Koutani Bongo, na émission Oyo Ezali Koya. Donc, on sera toujours papa Nabiso. Asali est belé na musique Nabiso. Ciao.